C'est vrai que le processus de création, c'est difficile de savoir vraiment comment il se fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'entendre une musique qui nous est complètement étrangère a priori, sur un projet qui nous est extrêmement familier, et savoir que cette musique était composée pour ce projet, tout à coup, ça donne comme une troisième dimension au scénario. Tout à coup, on se dit, ah, c'est ça, mon scénario, il peut avoir cette ampleur-là, ou cette étrangeté-là, ou cette émotion-là. Et après, on doit choisir, évidemment, mais il y a un champ possible comme ça qui s'ouvre à nous, une espèce de concrétisation de ce qu'on a écrit, enfin de première concrétisation, qui est formidable.